Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans nos 5 caves, du sud au nord ou du nord au sud, où vous découvrirez la variété des crus de notre région. Le samedi 30 mai, de 10h à 19h, chacun des domaines vous présentera la région ou nos vins sous un aspect un petit peu différent. Et voilà, nous espérons vous voir nombreux et nous vous accueillons pour vous faire partager notre passion. Ce que j'ai envie de dire, le Brouille et nos crus en général sont des vins qui se marient avec tellement de choses différentes, et ce qui est un plaisir, le poisson, les viandes blanches, rouges. Moi, j'aime traditionnellement cette association avec les fromages. Donc là, nous avons les fromages de la région, les charolais, mi-chèvre, mi-vache. Et que nous sont passés en appellation. Oui, et qui, en fait, que nous proposons aux gens qui le souhaitent au moment des dégustations également. Donc, ils sont produits à quelques kilomètres d'ici, près de Beaujeu. Et puis, là, je vous présente également, pour moi, le roi des fromages. J'ai une ascendance également bourguignonne, le Bria Savarin. C'est le fromage des moines. Hein, oui, mais c'est une merveille. C'est une merveille, c'est un désastre pour la ligne, mais on ne s'en préoccupe pas. Eh bien, écoutez, le 30 mai, rendez-vous à tous à Morgon, toute la journée, de 9h à 19h. Il y aura de quoi visiter, comprendre, déguster, écouter. Il y aura même un peu de musique. Voilà, on va essayer de vous organiser une très belle journée. À samedi. Globalement, tout de même, dans les vins du Beaujolais, ça va avec beaucoup de cuisine du monde. Si on veut affiner un peu, on dit que les morgons vont bien avec les viandes grises, les gibiers à plumes, le faisan, le canard. Mais ça va aussi extrêmement bien avec une côte de bœuf. Mais là, il faut être à table pour un bon dîner, quoi. Mais là, on va essayer ce matin simplement avec une petite terrine de canard. Et alors, vous préconisez quoi, là ? Quel est le vin que vous allez déguster ce matin avec la terrine de canard ? Un Morgon, évidemment, là, on va goûter un Côte du Puy 2013. Et c'est vrai que, comme disait Dominique, le Gamay, on peut l'associer avec beaucoup de cuisine du monde. Un bon Gamay sur le fruit, vraiment, ça se marie très bien avec tout simplement de la charcuterie, des terrines, du saucisson. Et puis, pourquoi pas avec une bonne pièce de bœuf ou des gibiers de temps en temps sur les crus les plus structurés. Voilà, bonjour, bienvenue à Château Thivin et bienvenue pour la journée du 30 mai pour les crus de Château en Domaine, donc de 10h à 19h. On vous attend nombreux. On vous fera déguster nos vins, visiter nos caves, visiter le vignoble aussi. Et il y aura bien sûr de la musique, une chanteuse lyrique et Aladin Rebel qui déclamera des poèmes sur le vin. Bienvenue à Château Thivin et on vous attend pour cette journée du 30 mai. Ça va très bien avec le magret de canard, très bien avec une belle côte de bœuf, puisque nous sommes à côté du charolais. Côte de bœuf, côte de brouille. Côte de bœuf, côte de brouille, oui. Et après, même quelquefois avec quelques années, ça peut aller sur un poisson grillé, mais juste passé à la salamandre et pris comme ça. Bienvenue au château des Bachelards à Fleury, le samedi 30 mai de 10h30 à 18h30 pour des masterclass avec Sébastien Chambru, meilleur ouvrier de France et propriétaire de Le Dévigne à Fuissé. Nous dégusterons des accords mévins avec le Fleury 2014 qui sera servi en magnum. Le bonheur est dans la vigne, cours-y vite, cours-y vite! Ce que j'aime dans nos vins, c'est que ce sont des vins qui accompagnent les plats légers. Donc, on n'est pas obligé de faire du sanglier et de la sauce grand veneur pour nos vins. Ils ne recherchent pas ça. Donc, nos vins marchent merveilleusement bien avec des entrecôtes, avec du veau, avec de la volaille. Donc là, aujourd'hui, pour notre déjeuner,
J'avais pensé à un gratin de, donc des vendangeurs, gratin de pommes de terre et bandes de lard. Et puis ensuite, une salade frisée avec de l'huile d'olive et du citron, et non pas du vinaigre pour ne pas abîmer le vin. Et ensuite, on aura une petite côte de veau avec des petits légumes. Et le fleuri marche aussi avec certains poissons. Si vous les faites griller, voilà. Parce que c'est le côté grillé qui fait le lien avec le vin. Bienvenue chez nous pour cette journée du 30 mai, le samedi 30 mai. Nous serons heureux de vous accueillir de 10h à 19h dans une ambiance musicale à base de jazz et pour à la fois vous faire déguster nos vins, découvrir notre métier, découvrir nos installations et échanger librement sur tous ces sujets-là dans un esprit de convivialité et de détente. Dans la vigne, cours-y vite, cours-y vite.